Coucou les filles, alors je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau cadre. Alors ce sera ma toute première vidéo dans mon nouvel appartement. Mais j'avais dit que je ferais un house tour, mais il y a des cartons partout. Surtout dans deux pièces. Dans deux pièces. Donc je crois que l'house tour il va attendre début de la semaine prochaine. À moins que vous en fichiez totalement des cartons. Dans ce cas-là, moi ça me dérange pas. C'est vraiment, c'était juste pour vous. La cuisine, la salle de bain, les toilettes, on s'en fout, mais cuisine, salle de bain, salon, tout ça, ça va. C'est vraiment les chambres où il y a des cartons. Après, vous voyez derrière moi, il y a un big dressing. Oh, vous me voyez dedans. Cachez ça. Déjà, c'est mieux comme fond parce que c'est plus sobre. Donc, qu'est-ce que je disais? Que de bêtises. Donc, je dis, il y a des cartons dans les deux chambres. Dans le débarras, mais bon, le débarras c'est un temps de débarras, donc même si j'attends 3 ans, il y aura toujours du bazar dedans. Hein. Ton 3 ans, il risque d'y en avoir beaucoup plus même d'ailleurs. Donc vous me dites si les cartons vous en foutez ou fichez, eh bien moi je m'en fous aussi. Donc je vais du coup vous faire comme vidéo mes favoris du mois de février. Un peu en retard, je m'excuse, mais bon, hein, on peut pas tout faire. Je devais également essayer de vous filmer le jour de mon déménagement, mais ça a pas franchement été possible. C'était l'horreur. En plus, on a fait le déménagement sur 2 jours. Enfin bon, bref, je vous passe les détails. Donc du coup, j'ai pas pu. Voilà. Donc du coup, je vais vous faire mes favoris de février. Il y a quelques découvertes, pas beaucoup, mais normalement, vous allez deviner un petit peu ce que c'est. Donc en premier, c'est une bougie Yankee Candle. C'est celle à la vanilla cupcake. Donc c'est gâteau vanillé. Donc c'est celle qui aime ça. En plus, moi j'ai le big gros jar. C'est la... Combien de kilos celle-là? 623 grammes. Et elle sent juste trop bon. C'est incroyable, j'adore cette bougie. Elle embaume toute la pièce. En fait, je l'ai allumée hier, je l'ai laissée brûler toute l'après-midi. Et encore aujourd'hui, l'odeur est dans la pièce. Alors, c'est cool. Donc, ce qui est cool, c'est que bon, c'est une bougie à deux mèches. Donc, du coup, je sais pas si vous allez bien voir. Donc, du coup, tout brûle. Il n'y a pas de reste. Ça, c'est de la cire parce que j'ai penché ma bougie qui a collé. Mais sinon, il n'y a pas de reste autour. Tout brûle. Oula, Mélanie, tu es toute noire. Ouh, caméra, reviens vers moi. Oui, en plus, je filme, il est tard, alors évidemment. Tu me vois. Technique d'éclairage. Donc je l'ai beaucoup utilisé parce que ce mois-ci j'ai été assez stressée, assez énervée, assez tout ce qu'on veut. Et j'adore cette bougie. En fait l'utiliser, ça me détendait, je sais pas, l'odeur me calmait. En fait c'est une odeur gourmande. Donc du coup je me sentais beaucoup mieux après. Ensuite c'est un petit porte-monnaie que j'ai eu dans les magazines, alors que je sais plus si c'est Closer, Oops ou Public, je sais plus. Donc c'est celui-ci que je vous ai présenté dans un haul et que depuis que je l'ai, il ne me quitte plus. Alors il est tout simple, hein. Dedans il n'y a rien, il n'y a pas de pochette, hein. C'est juste un trou. Et sur devant, vous avez des clous, évidemment. C'est là que le téléphone choisit pour sonner. Voilà, donc je l'ai utilisé et je l'utilise tout le temps. Désolée, j'ai perdu le fil à cause du téléphone. Ensuite. Ça fait mal. Ensuite, c'est un gros sac comme ça. C'est un Converse. Donc il est énorme. Là, il y a une poche devant. Il est couleur violine prune. Je vous verrai peut-être pas bien. Mais bon, bref. C'est mon chéri qui me l'a acheté.
Donc avec les petits bicouillous comme ça, avec le signe Converse. Dedans, vous avez tout mon bordel. Le truc, il a des petits traits comme ça. Vous avez deux petites... Non, vous n'en avez pas. Vous avez une poche sur le côté et après c'est une grande poche au milieu. Et ce sac, j'en suis juste dingue, je l'ai tout le temps avec moi. Alors par contre, comme il est gros, bah, vous avez tendance à vouloir en mettre plus. Donc du coup, bah, ça fait que votre sac il est un tout petit peu lourd et juste importable après pour un sac à main. Enfin, vous, c'est pas trop un sac à main non plus. Alors, excusez-moi, je ramasse mon petit sac de favori. Alors, je pioche au pif au hasard ce qu'on veut. Alors, en premier, c'est... Enfin, ce que j'ai pioché, c'est un blush crème de chez Urban Decay. C'est le Crush. Le Crush. Là. Donc, alors, vous verrez rien du tout. Ah non, ça va encore. Il est juste magnifique. Alors, par contre, c'est à doser avec parcimonie. Parce que si vous en mettez comme une bourrine, hein, c'est mort. Il est magnifique, il s'étale très bien. Il est... Franchement, j'adore ce blush. Ensuite, une crème pour les mains de chez Little Box. C'est le... leur nouvelle gamme qu'ils font eux-mêmes, My Little Beauty, ça s'appelle. Donc, elle en est là. J'aime... Au début, je ne l'aimais pas. Et en fait, j'ai appris à l'utiliser. Et pour la journée, par contre, elle est top. Ensuite, le démaquillant que je vous ai présenté dans la revue sur les deux démaquillants, le Revlon et le Sephora. Donc c'est le Revlon, le Color Away, il est juste top. De toute façon, vous l'avez très bien vu, donc je ne vais pas vous en parler pendant 2 heures, vous l'avez vos yeux vus, comme on dit. Donc ça c'est échantillon et je vais aller m'acheter évidemment le gros. Ensuite, un rouge à lèvres de chez... C'est quoi celui-là déjà? C'est Yves Saint Laurent, il me semble. Oui. De chez Yves Saint Laurent. Donc celui-là, je vous en parle assez souvent. C'est le numéro 11 de la gamme rouge volupté. Donc c'est celui qui a un packaging juste magnifique. Alors par contre, il a pris un pet, évidemment. Hein. Mélanie. C'est Mélanie. Voilà. Donc vous verrez rien. C'est un framboise. Je vous bassine assez avec. Je sais pas si... Peut-être là, comme ça. Comme derrière, c'est un fond blanc. Sur mon nez. Donc il est magnifique. J'aime bien son odeur. Il est hydratant. J'ai l'impression qu'il est hydratant. Moi je l'aime beaucoup. Il glisse tout seul. Il est juste génial. Ensuite, mon eau thermale d'Avène. Donc ça c'est pareil, je vous en ai déjà parlé. J'aime bien le mettre le soir et le matin. Mon déo Narta Protection 5, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé des millions de fois. Mon fond de teint que j'ai beaucoup utilisé ce mois-ci, c'est le L'Oréal Infaillible. Donc c'est celui qui est avec un pinceau. Parce qu'en fait, depuis 2 semaines, en fait, je suis la tête dans les cartons. Et il faut avouer quand même que j'avais pas spécialement besoin de me maquiller pour faire un carton. Mais il y a des jours où je devais quand même sortir, j'avais quand même pas mal de choses à faire. Pour déménager, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Et j'avais pas spécialement envie de me maquiller beaucoup parce que j'avais juste... après dans la journée, après j'allais encore cartonner quoi. Donc avec ça, c'est super pratique parce que vous tournez et après vous... Voilà, vous la faites de façon peintre. Et du coup c'est super rapide et vous vous prenez pas la tête. Il est bien, hein, il tient plutôt bien, il couvre bien. Franchement non, moi je l'aime bien. Ensuite, alors celui-là c'est pareil, je vais juste vous le montrer mais je vais pas vous en parler. Parce que vous allez comprendre. C'est celui-là, mon beurre corporel à la framboise. De chez The Body Shop. Pour le plaisir du nez. Voilà, vous avez compris, hein, vous savez très bien ce que j'en pense, je vais pas... Voilà. Ensuite, là je vais peut-être prendre... Là par contre je vais pas fouiller, je vais prendre les 3 trucs en même temps. C'est ma gamme...
Pour les cheveux, John Frieda, donc le shampoing, l'après-shampoing, je crois, oui, et le masque que j'adore. Alors, c'est trois produits ensemble. Alors, le masque, bizarrement, je suis moins fan. Pourtant, je le connais, ça me gratte. Pourtant, c'est la même gamme, mais je sais pas, je préfère le shampoing et le conditionneur. Le masque, je sais pas, j'ai du mal. Alors, peut-être j'en mets trop, peut-être je sais pas. Je vais essayer d'alterner un coulé, un coulé, je sais pas, ça me gratte le nez. Donc, je vous en ai déjà parlé aussi, il est juste génial. Bon, là, mes cheveux font un petit peu la tête parce que je suis sortie faire des courses et il a plu et tout. Enfin, bon. Mais sinon, il me les répare vraiment bien. Après le shampoing, une fois qu'ils sèchent, ils sont pas du tout emmêlés. Ils sont super souples, super doux. Franchement, ça. Là, je sais pas si c'est toute la marque John Frieda ou si c'est juste cette gamme là, mais alors franchement la gamme Full Repair, elle est top, top, top. Après il y en a d'autres pour d'autres types de cheveux. Ensuite, mon doux nettoyant moussant à l'amande de coton de chez Clarins que je vous avais présenté dans ma revue aussi sur les deux démaquillants et puis j'avais fait ma routine derrière. Donc c'est pareil, je vais pas vous en parler 2 heures. Il est génial, il sent bon. Enfin, il a une odeur assez neutre. Donc du coup, je trouve que ça peut aller un petit peu à tout le monde. C'est pour peau normale à mix. Alors moi j'ai la peau grasse, mais comme je l'utilise le soir quand je me démaquille. Après c'est vrai que ma peau est assez propre. Donc elle est pas grasse. Voilà. Ensuite, mon exfoliant confort aux fruits rouges de chez Nuxe, non, de chez Bio Beauté by Nuxe. Donc c'est visage, donc c'est celui-là, aux fruits rouges. Ça c'est celui que certaines filles avaient reçu dans la Little Box, je sais plus laquelle, et que moi je boudais parce que je le voulais, je l'avais pas eu et que j'avais été acheté moi-même en parapharmacie. Je faisais la tête, je l'avais pas eu. Donc voilà, alors il sent bon, alors c'est censé être aux fruits rouges, mais framboise, j'ai l'impression qu'il y a de la framboise et tout, mais on la sent pas, je trouve qu'il y a un mélange bizarre, je trouve que ça sent trop la mûre, je sais pas, mais sinon à côté de ça il est génial, il agresse pas, il est pas, il est bien. L'anti-cerne que j'ai utilisé tout le mois et que j'utilise encore, c'est le Fit Me de Maybelline. Donc il n'y a plus rien d'écrit, hein. C'est la teinte numéro 15. C'est la plus claire, c'est pareil, il est top, 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 top. Il cache bien, il tient bien, il fait pas il sèche, enfin je veux dire, il vous fait pas la peau sèche, enfin, je sais pas si vous avez compris. Il est vraiment très très bien. En plus c'est un embout mousse, donc du coup c'est beaucoup plus pratique comme ça, voilà. Et même après vous pouvez estomper avec ça ou je sais pas, faire comme vous voulez, donc du coup c'est assez pratique. Ensuite, ah, c'est pareil, je vais pas vous en parler 2 heures, c'est mon parfum couture de chez Jeanne Lanvin, voilà. Donc celui-là c'est mon chouchou de moment, donc c'est celui qui est dans la bouteille comme ça, il sent trop bon, c'est une tuerie internationale, je le surkiffe totalement, j'adore ce parfum, il est top 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 aussi. Ensuite un autre rouge à lèvres, donc cette fois c'est celui de chez Sisley, le L31, et c'est un framboise aussi comme le Yves Saint Laurent. Mais je crois qu'ils sont pas tout à fait pareils. Je crois que le Saint Laurent est un petit peu plus foncé. Et ça c'est pareil, j'adore. De toute façon je vous en ai déjà parlé. C'est un rouge à lèvres par contre qui est lui réellement hydratant. C'est normalement... Je vais souffler un peu. Enfin bon, sur la boîte quand je l'ai acheté, c'est bien marqué rouge à lèvres hydratant. Ensuite, une Color Sphere de chez... Kiko, je suis en train de chercher. Eh oh Mélanie! Donc une Color Sphere de chez Kiko, donc c'est la numéro 100. C'est celle qui est bronze et dorée. Je suis en train de chercher. Qui est juste magnifique. Qui est
Ben, je l'adore, je l'aime beaucoup. J'utilise énormément avec le Color Tattoo On and On Bronze. Ensuite, deux produits que j'utilise beaucoup ensemble. C'est la Color Sphere chez Kiko, la 109. Donc c'est celle qui est bleue. Bleu pailleté, vous verrez rien de toute façon. Bleu pailleté et argenté. Et je l'utilise beaucoup avec l'illusion d'ombre de chez Chanel, la 85 Mirifique. Donc celle qui est comme ça, je pense que... Enfin, je sais pas si vous allez voir de toute façon. Bah, elle est magnifique de toute façon. Je vous ai pas encore fait de tuto avec, mais ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Ensuite, deux crayons à lèvres de chez Kiko. C'est le 709 et le 705. C'est un framboise et un rouge. Donc pour aller avec mes rouges, j'ai préféré du moment. Donc, ceux qui sont comme ça, vous verrez. Que dalle ! Je vais essayer de vous les swatchouner ! En fait, le 705, c'est un rouge qui tire vers le orange. Et le 709, c'est un framboise. Hein. Franchement, il n'y a pas à aller caqueter ailleurs. C'est un framboise. Ils sont géniaux. À part ma caméra qui n'est pas terrible. Hein. Ils sont géniaux. Ils tiennent super bien. Ils filent pas dans les lèvres et tout. Franchement, ils se font tenir le rouge à lèvres. Du tonnerre, quoi. Ensuite, alors là, voilà, c'est ce que je vous disais. Ce mois-ci, avec tout ce que j'avais à faire, je n'avais pas trop le temps de me maquiller, mais je faisais quand même pour ressembler à un cacaboudin dehors. Donc, j'allais au plus simple, et niveau rouge à lèvres, c'était le numéro 05 de la collection rouge pure couture de Yves Saint Laurent. Et attention, tenez-vous bien, c'était un nude. Voilà, j'allais vraiment au plus simple, c'est un nude qui tire vers le rose. Il faut pas croire, j'adore ce rouge à lèvres. Il est magnifique, il sent bon, il tient bien, il est crémeux, il est top. Après c'est vrai que je préfère un beau petit rouge ou un beau petit framboise. Mais quand j'avais vraiment pas le temps, et ben voilà, je mettais ça. Et ça allait très bien, limite je le mettais même pas chez moi, je sortais dans le métro et je le mettais comme ça dans le métro ou dans le train, dans le bus. Ensuite, de chez Aven, un soin apaisant contour des yeux que je vous ai présenté dans un haul que j'ai utilisé ce mois-ci. Pas mal parce que je l'ai utilisé pas mal parce que bah, j'avais beaucoup les yeux qui ont piqué ce mois-ci et je dois dire qu'il est vraiment bien, il m'a vraiment bien apaisé et l'hydrate en plus de ça, donc ce produit est vraiment génial et je vous le conseille, je vous les conseille tous d'ailleurs, tout ce que je vais vous présenter. Bon, je fasse une vidéo sur mes flops, mais bon j'en ai pas beaucoup, moi je suis pas difficile. Ensuite, un produit pour les cheveux. Bon, celui-là, c'est pareil, je vous l'ai présenté plein de fois. C'est mon huile merveilleuse de chez Ultra Doux. Ouh, je vais me la prendre la tronche. De chez Ultra Doux, donc à l'huile d'argan et de camélia. Donc, cette huile est géniale. Elle sent très très bon. Elle fait les cheveux tout doux. Par contre, mettez-la quand vous avez les cheveux mouillés, c'est beaucoup mieux. Voilà, elle est vraiment top. Ensuite, avant-dernier produit, c'est un pinceau de chez ELF. C'est le Defining Ice Brush. C'est celui qui est biseauté. Et ce pinceau, beaucoup m'ont... Enfin, une ou deux m'ont demandé. Ils m'ont dit, c'est quoi ton pinceau? Pour faire le creux comme ça. Il est à se pendre. Franchement, il est génial. Là, c'est pareil, je l'ai utilisé. Bon, je fais énormément de choses. Notamment, le creux. Le coin. Et le dessous. Je fais vraiment beaucoup de choses. J'arrive à aussi... estomper. Je fais vraiment beaucoup beaucoup de choses avec ce pinceau, il est génial, franchement je vous le conseille, en plus il coûte 1€, alors franchement il n'y a pas à se priver. Et en dernier, ça se casse la gueule. En exclusivité sur la chaîne de Cosmétiques en Folie, les produits se cassent la gueule. Alors c'est un exfoliant corporel de chez Easy Body Shop, c'est celui au citron. Vous voyez, j'arrive au bout, ça sera bientôt un produit fini. J'adore son odeur, j'adore ses grains, j'adore l'effet qu'il fait sur la peau. Il fait... je m'installe, on se voit plus là. Peut-être faire un petit zoom. Peut-être faire un moins grand zoom. Il fait un effet...
un effet huileux. Donc moi j'utilise beaucoup sur les jambes. Il fait un effet huileux vraiment agréable. Donc un peu gras évidemment. Si c'est huileux c'est gras. Mais moi je prends généralement des douches le soir. Donc du coup ça me gêne pas. Après c'est vrai que si vous prenez votre douche le matin, évitez peut-être de l'utiliser, je sais pas ce que ça peut donner. Mais c'est vrai que ça pénètre assez rapidement quand même dans la peau. Je veux dire, je garde pas cet effet gras pendant 3 heures quoi. Le temps que vous êtes dans le bain, ça reste sur la peau. Je pense que ça fait une protection entre vous et l'eau. Après, moi je passe un gel douche et ça enlève vraiment de l'effet huileux. Et puis comme l'eau du bain généralement est quand même chaude, même l'eau de la douche est quand même chaude, c'est rare qu'on se lave l'eau froide. C'est comme pour enlever de l'huile, hein. L'eau chaude fait dilue l'huile. Voilà, je raconte ma life. Racontagedelife.com. Voilà, c'était tout. J'espère quand même que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné des envies d'achat. Que revoir ma tronche, je ne dérange pas trop. Maintenant que je suis là, je ne vais pas repartir tout de suite. Non, je compte pas redéménager maintenant. C'est hors de question. Pour le concours, sachez que... Pas pour les filles qui avaient gagné le concours. Sachez que vos lots sont partis aujourd'hui. Je tourne cette vidéo le mercredi... Mercredi 6. Donc vos lots sont partis cet après-midi. Enfin, je les ai postés cet après-midi, mais je pense qu'ils partiront demain matin. Oui, voilà. Donc je suis désolée du retard. Franchement, je... Avec tout ça, je le ferai après. Je pense qu'elles vont pas me détester pour ça, ou du moment qu'elles sont prévenues, ça devrait aller. Donc, à part ça, dites-moi si franchement vous le voulez, cet house tour, même avec les cartons. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Je me suis dit peut-être que vous, ça vous gênera quoi. Je vais vous faire des bisous. Oh, ça y est, je vous refais des bisous. Et merci les filles aussi. Le temps que j'ai pas été présente sur YouTube, j'ai eu une dizaine d'abonnements. Et c'est franchement... Enfin, j'aurais pas cru quoi. Je me suis dit, je vais pas faire de vidéo pendant une semaine, ça se trouve... Je vais perdre des abonnés. Bah non, dis donc, j'en ai gagné. C'est pas trop bien ça. Donc je fais des gros bisous à celles qui se sont abonnées, évidemment. À celles qui sont toujours abonnées aussi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye! Je suis morte de rire. C'est la reprise. Ça me fait drôle de me revoir dans un écran. Tout petit. Bon. You and two and two. Et je vous fais plein d'encore des gros bisous, des gros bisous, des gros bisous. Mouah. À bientôt. Ouh, la voix.